L'ange numéro 71, Hayayel. Il régit du 11 au 15 mars. Il est l'ange qui nous enseigne à ne plus attaquer et ne plus combattre. Il nous inspire l'héroïsme, la bravoure, le courage, et nous aide à transcender nos guerres intérieures, à éviter les conflits. Cet ange nous apprend à ne plus combattre le mal par le mal, mais à toujours représenter le bien. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Arme divine. Discernement, c'est-à-dire symbole de l'épée. Aura lumineuse, c'est-à-dire symbole du bouclier. Protection divine pour prendre la décision la meilleure, la plus juste. Intelligence réceptive, esprit protecteur, stratège. Délivre de ceux qui nous oppriment. Héros intérieur, force de compréhension qui permet de rester dans le bon chemin et de le retrouver. Protège et conduit à la victoire, la bravoure et le courage. Idées et concepts nouveaux qui peuvent changer le monde. Réceptivité à l'inspiration divine. Développe une grande énergie. Leadership. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Terroriste, activiste. Manque d'intelligence et d'inspiration. Personne dangereuse qui utilise des forces et des pensées négatives, énergie sombre, magie noire, pacte satanique. Manipulateur, menteur, prêt à tout pour gagner, pour atteindre son but. Vindicatif, dictateur, tyran, discorde, trahison, fournit des armes pour tuer, porteur de contradictions intérieures. Rupture, c'est-à-dire divorce, rupture de contrat, etc. Idées criminelles, extrémisme,
excès de rationalité. Non-respect des engagements. Guerre, conflit continu. Gouvernement corrompu. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Agression. Audace. Bravoure. Courage, bravoure. Critique. Discernement. Difficulté à discerner le bien du mal. Force de volonté. Guerrier. Guerrier de lumière. Douce pensée angélique.